Nous sommes en 2021 à Fuilly. Les vendanges ont commencé fin septembre. La cave des vignerons cultive 29 hectares de vignes, 15 cépages différents. L'emblématique Petite Arvine, mais pas seulement. Les vendangeurs font le va-et-vient entre la cave et la vigne, jour après jour, pendant 4 semaines. Gaëtan Binder est l'œnologue responsable de la cave. C'est lui qui détermine quelle vigne sera vendangée quel jour. Cette année, la récolte est faible, les raisins ont enduré le gel, les pluies de l'été, les maladies. Mais l'irréductible vigneron se bat pour faire le meilleur produit possible. Ça, c'est tout comme d'enfer, l'armoire? Oui, oui. Devant, t'as quelque chose de... Ça, c'est aussi comme d'enfer. C'est aussi comme d'enfer? Ouais, ah, bien. Okay. Tip top. Je t'écoute pour les poids. 332. Le truc que je préfère dans les vendanges, c'est les premiers jours de vendange, qui est une sensation que j'aime particulièrement. Un début où on sait que ça ne va plus s'arrêter. Ça, c'est un moment plein d'adrénaline, plein d'excitation. Les dés sont jetés, c'est parti. Voici le premier chapitre d'Histoire d'Arvine, l'histoire d'une vendange particulière avec Gaëtan Binder de la cave des vignerons. Non, la malvoisie, c'est, ah, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Ça direct. Fait pas des masses. Oui, allô? Tu fais 5 lignes d'habitude, 5 caissettes, puis tu fais une caissette. Ben, ouais. Ouais, mais bon, après, c'est partout pareil. Hein. C'est pas, t'as, y a pas que toi. Hein. Terrible. Alors dans la petite arvine ici, on est déjà passé une fois. Enlever tout ce qui était caillé, tout ce qui était en pourriture noble. La dégustation des baies, c'est quand même dans les plus belles parties du métier. Alors on va grignoter, on va mâcher un peu ces peaux. On essaie d'enlever les pépins parce que sinon ça va être très amer. Au fur et à mesure que le temps avance, si on, en plus il est ensoleillé, un peu venteux, avec des nuits un peu fraîches, on va vite voir la différence. On va arriver avec des... plus d'amertume, mais avec un côté de, comme de chocolat torréfié, qui sont très intéressants pour nous. Et c'est à ce moment-là qu'on va définir la date exacte des vendanges. Cette fois-ci, pas une semaine près, mais au jour près. Oh là là! Du mildiou, de la pourriture, de la piqûre acétique sous la même grappe. On a connu mieux comme un œil. Dans ma tête, quand je vais faire ce petit cheminement, de déguster les baies, les raisins, je m'imagine déjà où vont aller ces raisins, dans quelle cuve, mais aussi dans quelle bouteille à la fin. Et c'est là où on voit qu'on doit se projeter. Peut-être qu'il y a certains vins, comme les cornalins ou ces choses-là, qui vont finir dans 2 ans et demi dans une bouteille. Donc là, je dois faire aussi avec, m'imaginer que voilà, il faudra peut-être un petit peu de surmaturité, une très légère surmaturité, pour que ce vin-là supporte le fût et supporte 2 ans d'élevage, pour que le client, quand il va déguster ce vin-là, dans 2, 3, 4, 5, 10, 15 ans, ils se disent « Ah ben ouais, ça c'était parfaitement mûr. » Bonjour à tout le monde. Si vous avez des raisins qui ne sont pas bons, il faut éliminer. Mais celui-là, c'est tip-top, c'est parfait. S'il y a des maladies, avec les sécateurs, on essaie de sortir, ok? Comme d'habitude. Merci beaucoup, hein? Bon travail. Thank you.
Gaëtan, l'œnologue, est devenu le visage de la cave des vignerons. Son frère, Joshua, est responsable de la logistique, des mises en bouteille, des livraisons. Il s'occupe des filtrations et du pressurage pendant les vendanges. Véronique Teta, la maman, a passé la main à ses deux garçons. Elle reste une figure importante de ce lieu empreint d'histoire. Son père, avant elle, a fondé cette cave. C'était le premier vin de mon papa, Dôle Royale. La première étiquette, ils avaient écrit Dôle Royale sans le E. Ah bon? Pendant au moins 5-6 ans, jusqu'à ton client vient et dit « Mais je comprends pas, la Dôle c'est féminin, puis t'as écrit Royale sans le E. » Attends, je vais aller voir l'imprimeur. Nom de sang. Il a oublié le E à Royale. Alexandre, tu peux venir à côté de moi. Et puis... Ben, ça avance bien. Oui, ça avance bien. Et elle a aussi transmis sa passion à ses petits-enfants qui grandissent en plein milieu de ce terroir, de cette histoire. Non, tu coupes le raisin et tu fais attention. Attends que je te donne une question. Voilà. Alors, ici, on est bon, la ligne ici. Alors, ben comme ça, on demande à grand-père de vider les caisses. C'est vraiment un moment d'excitation, d'inquiétude, de stress, de questionnement. Bon, déjà, généralement, je dors très peu. Et ça, c'est aussi une période où ben, je vois un peu moins ma famille. Quelques journées de plus de 15 heures par jour, donc là aussi la fatigue s'installe assez rapidement. Il faut garder les idées claires, il faut pas, surtout des années où on a peu de récolte, il faut en tout cas pas faire d'erreurs. On doit être attentif, mais la fatigue et les heures s'accumulent très très rapidement. T'as vu? Ça, c'est des champignons qui poussent sous le raisin. Oh, vu les crabouillés. Non, après, il y en a encore plus. Celui-là, on va le trier à la vendange, on ne va pas le prendre dans la caissette. On va le couper par terre. On a vendangé un pinot noir. On a dû faire un tri qui était astronomique, vraiment beaucoup, beaucoup, presque le double du temps habituel pour vendanger. Alors ça, c'était quand même une belle contrainte qui s'ajoute à une année très difficile. Bonne couleur, ça c'est parfait. Une fois que la vigne est vendangée, c'est terminé. On ne peut plus que sauver le truc, sauver le vin, essayer de faire le mieux qu'on peut, mais on ne pourra pas améliorer les choses. On peut juste aider à ce que tout se passe bien, mais la qualité est déjà là, elle est dans la caissette. Ça arrive à la cave, puis après, on va essayer de faire le mieux qu'on peut. On ne peut pas gagner en qualité à la cave. On peut juste garder la qualité qu'on a obtenue à la vigne. Voilà, ça, c'est le gamay. Je t'ai dit, les pinots, ils sont bons. J'en ai deux qui finissent de fermenter, là. Il y a un bon fruit. Il n'y a pas forcément... Bon, la structure tannique, encore, tu vois, c'est encore en macération, mais c'est très prometteur dans la qualité du... Là, tu peux remettre dedans. En haut, c'est tout fait. Oui. Tip top. Ah ben c'est fantastique. Non mais après là il y a du cornalin, mais là il a souffert du froid. Celui-là il l'avait tout gelé au printemps. Alors, je sais pas s'il y aura quelque chose à vendanger là, c'est terrible. Horrible. Après j'ai vu les bacs qui arrivaient en bas, c'était assez bien. Pas trop de soucis, ouais, c'était tip top. Cette année la météo a été impitoyable. Un petit champignon d'habitude assez rare et inoffensif a détruit des parcelles entières. Même les vignerons les plus âgés ne se souviennent pas d'une telle attaque de mildiou.
Il a fallu trier, trier et retrier. Les vendangeurs ont travaillé d'arrache-pied pour ramener des raisins sains et pour sauver les meubles. Gaëtan a perdu près de la moitié de sa récolte par rapport à 2019. Le milieu, beaucoup de gens ne connaissaient pas, vraiment pas. Moi, j'en ai vu pendant mes études et puis on en voit de temps en temps, mais c'est quelque chose de très peu courant. Ce qui a vraiment été favorisant, c'est la météo. Fondamentalement, c'est ça qui a vraiment fait le problème. On parle d'humectation du feuillage, on parle d'humidité qui reste sur le feuillage, c'est ça qui fait le mildiou a le pouvoir de rentrer dans la plante. Et même si on intervenait avec des traitements phytosanitaires, elle était continuellement mouillée et après il repleuvait dessus. Et là on peut penser peut-être que c'est certains de nos traitements phytosanitaires, nos protections du vignoble, n'ont tout simplement pas marché. Ils ont été lessivés, n'ont pas tenu sur la plante, donc voilà. Il y a forcément eu quelque chose comme ça pour avoir des symptômes aussi graves que ça. Le Valais n'a pas forcément le climat pour le mildiou. En tout cas, ce n'est pas ce champignon-là qui nous embête habituellement. On a plutôt des problèmes avec l'oïdium, qui est un champignon qui agit un peu différemment, qui n'a pas besoin de pluie pour rentrer dans la plante. L'oïdium attaque la vigne, on le voit, on peut se défendre d'une manière curative aussi. Le mildiou, on le voit, et quand on le voit, c'est qu'on a déjà perdu. Ce soir, 23h30, je vais revenir, je vais débourber les deux vins qu'on a reçus, l'Anisberg et le rosé, comme ça après-demain, tout est clair. Puis comme ça demain, on fait une journée un peu plus tranquille, au niveau des rentrées de vendange. Après les gamets, le pinot, les fendants, le Johannisberg, les vendangeurs s'attaquent aujourd'hui au cornalin. Ce qu'on va faire très attention, c'est vraiment la pourriture grise, hein, ce qui est vraiment gris, poussiéreux. Là, il y en a pas mal. Puis s'il faut assez trier, il y a ça, il y a la pourriture grise et il y a les graines qui sentent un peu le vinaigre. Oui, oui, on dirait que c'est vendangeux. C'est terrible. Le cornalin, c'est un cépage très précoce. Au débourrement, c'est-à-dire qu'il commence à pousser très rapidement. On voit vite les pointes vertes. Et il y a eu un épisode de gel assez intense. Le cornalin étant sensible à ce gel, ce type de gel-là, on a déjà perdu une bonne partie de la récolte à ce moment-là. La vigne est bien pourvue de bourgeons secondaires. Et tout ça va repartir avec 2-3 semaines de retard. Le fait qu'il ait un peu de retard, le fait qu'il soit un petit peu choqué ou fragilisé par ce gel a fait qu'en tout cas la sensibilité au mildiou était très, très visible, marquée. Et tout à coup, on a eu un autre problème qui est la pourriture grise. Et la pourriture grise, pour faire du vin rouge, c'est pour nous une catastrophe. C'est-à-dire toutes les grappes sont analysées, sont passées au crible pour un tri parfait de la récolte. Sur les 150 grains, il reste... C'est même pas 20, puis encore. La qualité qu'on a reçue à la cave était vraiment exemplaire. Par contre, les quantités, parce que normalement, ben voilà, on a de quoi remplir une 7 à 8 fûts de 300 litres. Et là, on va en avoir peut-être 2. Mais on a réussi à faire une vendange à une maturité qui était exemplaire, une qualité qui est exemplaire. Puis ça, je ne remercierai jamais assez mes équipes de vendangeurs, de trieurs. Alors, faire un boulot comme ça, parce que c'est imbuvable comme travail, de ne pas pouvoir avancer, de devoir regarder toutes les grappes, alors que normalement les vendanges, c'est un moment assez sympathique aussi au niveau du travail. À son tour, la petite Arvine a atteint sa pleine maturité et le millésime de cette année promet déjà beaucoup. Les petites arvines de fuit, quand elles finissent de fermenter, c'est un instant magique. La première cuve de petite arvine après fin de fermentation, j'ai pu déguster, je me suis dit bingo. Là, on est encore un peu tôt pour parler de grands millésimes d'arvine, mais
mais je pense qu'on n'en est pas loin. Et là, c'est un peu le petit plus cette année pour sauver un peu les... comment dire, sauver les meubles. On est sur un tout, tout grand millésime pour certains cépages, alors que c'est un peu avoir les bons numéros à l'euro million, je pense. On ne s'y attend pas, et tout à coup, ben, quand on déguste ça, on est là, ouais. Là, ça va mieux, ça met un peu de baume au cœur, et puis là, tout à coup, on a un sacré truc. Je vais conseiller celle-là de Petite Arvine. Ça, c'est assez riche, parce qu'il y a un truc à manger avec l'apéritif, des fois, les Petites Arvines traditionnelles, ça va être un peu léger. Puis après, tu dis une bressane avec... Ça, c'est la viande avec les épices dessus, quand même. L'idée qu'on peut partager un bout de terroir. Parce que dans le vin, c'est quand même un des seuls produits où, voilà, on partage. Un rouge assez puissant. Le terroir, il exprime ça. Après, on ne va jamais dire, ouais, ben ça, c'est le meilleur vin du monde. Mais c'est celui-là, c'est le meilleur vin qu'on peut produire sur ce terroir-là. Et puis peut-être pour certaines personnes, j'espère, ce sera le meilleur vin du monde. Parce que voilà, il exprime... nos compétences, et puis le client qui va aimer ce vin-là, il va le partager avec quelqu'un d'autre. Et puis il va dire, ah bah tu vois, moi j'ai été dans ces vignes-là, j'ai été me balader, j'ai été visiter la cave, et puis là je te présente ce qui est fait. On va presser ensemble. Mais on pourra faire plusieurs fois presser ensemble. Ah d'accord. Là, je vous dis, là on aura à presser. Et puis t'as préparé... J'ai déjà fait 7 bacs, et puis celui-là c'est mon 8e. L'histoire est écrite pour cette vendange 2021 à Fuilly. Les vins sont désormais vinifiés, élevés, assemblés. La structure prend forme doucement. Alex, tu vas aller dire à grand-mère qu'on est en train de presser. Faut simplement verser dans les verres et puis on peut boire. Bravo Adrien. Ils seront mis en bouteille et vivront à travers les clients et les dégustations. Salut! Essaye, viens voir, essaye. Là, tu as. Essaye à beaucoup. C'est ainsi que se referme ce chapitre, mais il n'est qu'une toute petite partie des histoires d'Arvine. Si c'est du rouge, tu sais quoi acheter comme viande pour le soir. Puis si c'est du jus, bah, tu balances au gosse, puis tu pars bosser, quoi.